Hola, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog qui est celui de mon départ. Je prends la caméra aujourd'hui et nous sommes 3 jours plus tard de mon arrivée. Ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu que ça se passe. Il y a eu beaucoup d'émotions, j'ai eu beaucoup de mal à dire au revoir à ma famille. Ça a été très compliqué de prendre mes valises et de tourner les talons. En plus de ça, j'avais très mal au ventre, j'avais envie de vomir. C'est la première fois de ma vie où je me suis sentie vraiment mal, pas bien. Je me rappelle quand mon réveil a sonné. J'ai ressenti un stress, quelque chose de bizarre, en me disant « attention, il y a un truc qui se passe ». Je me remettais en question, mais cet avion, je le prends pas. Je me suis dit « Noémie, tu dois prendre cet avion, c'est un rêve de partir en Espagne, de réaliser tous tes projets que tu as pour là-bas. Voilà, prends-le ». Donc c'est ce que j'ai fait, même si j'étais pas bien, je me sentais très mal, vraiment. Le vol s'est plutôt bien passé, c'est rapide, en 1h10 j'étais rendue à Madrid. Ma famille est venue me récupérer avec l'ancienne au pair qui a passé toute la journée avec nous et ça m'a beaucoup rassurée parce que c'est pas simple d'arriver dans une famille que tu connais pas, même si je les avais déjà rencontrés une fois quand je suis venue à Madrid faire mon premier voyage en solo. On avait partagé un repas ensemble, j'avais déjà vu la maison, ça m'a pas mal rassurée de savoir où j'allais mettre les pieds. L'après-midi, j'ai beaucoup discuté avec la ancienne au pair qui m'a donné des conseils et avec qui je suis toujours en contact, bien sûr, parce qu'on s'entend très bien. Depuis que je suis arrivée, c'est les vacances encore. Je fais pas mal d'activités avec eux, enfin surtout avec le plus petit. Ça m'a fait très bizarre quand je suis arrivée ici. Je me sentais vraiment pas hyper bien, pas par la famille, mais ça fait bizarre de quitter son chez-soi, d'arriver dans un endroit que tu connais pas, dans un autre pays. Pour l'instant, je suis pas encore beaucoup sortie parce que là, c'est les vacances. Mes parents travaillent. À partir de septembre, je vais pouvoir commencer ma routine d'au pair. J'ai hâte de pouvoir commencer un peu à bouger, à faire mes projets, à rencontrer des personnes. Ce vlog va pas être très très intéressant parce que du coup c'est beaucoup de blabla, j'ai pas filmé beaucoup de choses. Je suis bien arrivée à Madrid, je suis dans une bonne famille, pour le moment ça se passe bien, en tout cas ils font tout pour me mettre à l'aise. Ce vlog est terminé, j'ai pas d'autres choses à raconter pour le moment et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Petite précision, ce n'est pas un vlog parce que j'ai beaucoup parlé, il y a pas mal de blabla, j'ai pas eu assez de contenu et j'ai pas pu le faire parce que bon voilà, il y a eu l'émotion, c'était assez compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu sur mon départ, mes petites informations, comment je vais. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres contenus, d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram, sur mon blog. Il y a tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, je vous laisserai aller checker tout ça.